En confiance, nous sommes le samedi 23 janvier 2021. C'est l'heure de vous présenter la grande édition du journal parlé de Radio Kaskas à la cabine technique Mikasa. La présentation de ce journal, Mohamed Lapojabi. Voici le sommaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution du COVID-19 au Sénégal ce samedi 23 janvier 2021. Sur 2389 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 250 nouveaux cas de coronavirus, soit un taux de positivité de 10,46%. L'Union européenne fait le point sur ses financements destinés à la lutte contre la migration irrégulière. L'UE précise dans un document parcouru par le quotidien avoir financé au Sénégal depuis 2016 grâce au fonds fiduciaire d'urgence 18 programmes dont 10 nationaux et 8 régionaux pour un montant de 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards de CFA. Hors de nos frontières, nous irons en République de Guinée où l'Union européenne donc nous irons d'abord, nous allons voir ce qui se passe à travers le monde avec les États-Unis où Donald Trump donc est sauvé de se présenter devant les sénateurs américains. La procédure est enclenchée. Le sport, Mamoudou Thiam, Mamoudia Thiam reviendra au cours du journal après la page internationale commune, le Chan. Deux rencontres dans l'affiche. Zambie contre Guinée, c'était à 16h, et l'autre rencontre en cours, Namibie contre Tanzanie. Vous aurez les résultats tout à l'heure. Pour ce qui est de la revue de poste, pour les journaux sénégalais, parvenir au site d'APA, faites principalement des politiques migratoires, mais aussi des raisons du passage à l'acte de Diarissou et de l'espoir suscité par le futur parc des technologies et numériques. Le développement, c'est dans quelques instants. Merci Mikasal qui assure les commandes techniques. Mesdames, messieurs, bonsoir où que vous puissiez être à travers les quatre coins du monde. Nous allons débuter avec l'actualité locale. Le processus vers un changement dans la gestion des forages dans l'arrondissement de Saldé est en marche. C'est ainsi que le sous-préfet de Saldé a rencontré ce vendredi à Pété le président des 23 comités de gestion de forages des communes de Pété, Boké et Mbolo. Ainsi, les Azifor, association des usagers de forage, sont remplacés par des comités de gestion de ces forages. Donc, par des comités de gestion, le renouvellement des organes de gestion de ces forages est prévu dans la période du 25 janvier au 8 février prochain. Nous y reviendrons beaucoup plus amplement dans notre édition de 21h avec Aboubakar Sy, le président de l'ACIFOR de Pétch. Je vous le disais dans le titre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce samedi 23 janvier 2021. Sur 2389 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 250 nouveaux cas de coronavirus, soit un taux de positivité de 10,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 86 cas contacts, aucun cas importé et 164 cas issus de la transmission communautaire. Nous occupons le porte-parole du jour. Sur 2389 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 86 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 164 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 12 à Louga et Touba, 11 à Kaolack, 10 à Thiès, 8 à Saint-Louis, 6 à Liberté 6, 5 à Dakar, Plateau et Richard Paul, 4 à Fatik, Ngor, Wakam, West Fouad et Rufus, 3 à Kernassa, Mehe, Mermoz, Parcelaseni, Pointe et Yoff, 2 aux Almadi, Bambé, Barni, Daru Mousti, Fan Residence, Gueltape, Canel, Kédougou, Kombol, Linger, Nioro, Sedekota, Tcharey et Ziguinchor, 1 à Bindiona, Tanderen, Colovan, Dalifor, Jofior, Brandao, Grand Yoff, Anne Plage, HLM Fass, HLM Grand Yoff, Kebemer, Kerndaifal, Liberté 1, Malika, Mamel, Marist, Medina, Medina Yorofua, Passy, Padua, Pikin, Ranuru, Sacré-Cœur Poua, Skat Ivan, Sikap Foire, Sokol, Tamba, Tiaon et Galenga. 195 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et
est déclaré guéri. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce vendredi 22 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 24 459 cas ont été déclarés positifs, dont 20 284 guéris, 569 décédés et donc 3605 sous traitement. Restons toujours dans ce sillage du Covid-19 pour signaler que 5 milliards décaissés au profit des artisans de Saint-Louis, Madame Elouka. Chaque artisan va bénéficier de 150 000 francs selon le ministre Pape Amadou Ndiaye, le ministre de l'Artisan et de la Transformation du secteur informel a procédé à Saint-Louis au lancement de la première phase de distribution de l'aide allouée par l'État du Sénégal aux artisans. Pour cette première phase, pour laquelle une enveloppe de 5 milliards de francs CFA a été dégagée sous les 25 prévus, les artisans de la zone nord qui polarisent les régions de Saint-Louis, Matam et Louga ont eu le privilège de recevoir le part des mains du ministre Papa Amadou Ndiaye. Selon ce dernier, chaque artisan aura la somme de 150 000 francs comme aide pour faire face aux difficultés causées par la pandémie. Président de la Chambre des métiers de Saint-Louis, Blaïli, a indiqué que les artisans seront regroupés en organisation professionnelle et qu'ils feront le maximum pour que les bénéficiaires puissent récupérer leur dû. Il y a plus de 100 organisations professionnelles dans les trois départements de Saint-Louis. Blaïli d'ajouter que les ayants droit ont été répertoriés et qu'ils recevront à chacun donc à sa part. Vous suivez les informations sur les ondes de Cascas FM 95.9 à 20h passées de 38 minutes. La suite de cette page nationale, l'Union européenne fait le point sur ses artisans destinés à la lutte sur ses financements destinés à la lutte contre la migration irrégulière. L'UE précise dans un document parcouru par le quotidien avoir financé au Sénégal depuis 2016 grâce au fonds fiduciaire d'urgence 18 programmes dont 10 nationaux et 8 régionaux pour un montant de 198 millions d'euros, soit près de 330 milliards de francs CFA. À tous les projets de l'Union européenne, y compris ceux du fonds fiduciaire d'urgence, font l'objet de procédures de vérification des actions et des dépenses au cours de la mise en œuvre, ainsi que les audits et des évaluations en fin de projet. Renseigne la même source afin de s'assurer des résultats pour les bénéficiaires ciblés. L'UE souligne avoir mis en place un suivi de proximité évolue. Les activités menées notamment avec la mise en place d'un système de suivi et d'apprentissage qui vise à mesurer les résultats et l'impact des projets. Cette sortie de l'UE intervient au moment où Boubacar Sey, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, placé sous mandat dépôt, s'interrogeait sur l'utilisation des fonds de l'Union européenne destinés à la lutte contre l'immigration clandestine. Et nous allons terminer cette page nationale avec Ibrahim Amar, établi à Porto Alegre au Brésil. Il a été tué par balle par un Brésilien. Il a reçu 5 coups de pistolet, rapporte les échos. Tout est parti d'une altercation entre les deux protagonistes dont le lieu de travail. Après la dispute, le Brésilien a menacé de mort Amar quelques minutes après avoir quitté les lieux. Il est revenu avec une arme tirant à bout portant sur le Sénégalais qui est mort sur le coup. En Italie, un autre compatriote a été retrouvé mort à bord d'un train liant les villes de Bari et Lecce dans le sud-est du pays, indique le journal. Aux dernières nouvelles, une enquête a été ouverte par la police italienne pour déterminer les circonstances de sa mort. La page internationale dans quelques instants. L'actualité internationale. L'actualité internationale. L'actualité internationale en Mauritanie, le Covid-19 ne cesse de se multiplier, suffisant pour que le maire de Bababé, Ba Abdoulaye Mamadou, monte sur le créneau pour lancer un message à sa communauté de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Nous l'écouterons dans notre édition en Poulard. Le Maroc a reçu sa toute première livraison de vaccins contre le Covid-19 conçu et produit par le
le laboratoire AstraZeneca. Après plusieurs semaines d'effets d'annonce et d'incertitudes, la campagne de vaccination contre le coronavirus sera donc officiellement lancée dans quelques jours. Coronavirus, des chercheurs annoncent avoir découvert un médicament efficace. Une équipe de chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal croit avoir trouvé une arme efficace contre le COVID-19, la colchicine, un comprimé oral déjà connu et utilisé pour d'autres maladies. Pour le docteur Jean-Claude Tardif, qui a dirigé l'étude, c'est une découverte scientifique majeure et la colchicine est le premier médicament oral efficace pour traiter les patients non hospitalisés. Et enfin, l'ancien président américain est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier, au moment où les élus du Congrès certifiaient la victoire de son rival démocrate à la présidentielle. Le procès en destitution de Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat, après la transmission à la Chambre haute de l'acte de mise en accusation de l'ancien président en début de semaine prochaine, ont annoncé ce vendredi les leaders démocrates au Congrès. La page sportive, c'est dans quelques instants avec Mamoudi Aracham qui me rejoindra sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir, Javi, bonsoir à tous. Alors, nous allons débuter cette page sportive avec l'actualité locale, le championnat local, avant d'avouer donc au CHAN qui est à sa dernière journée. Tout à fait. Donc, la Ligue 1 sénégalaise qui joue ce week-end, sa quatrième journée, ce samedi, 6 rencontres se sont déroulées. Eh bien, l'équipe de Diambar a battu celle de Dakar Sacré-Cœur par le score de 2-1. L'AS Pékin également a dominé Génération Foot par le score de 2-1. Le CAS Sport a battu le Stade de Mbour par le score de 3-0. Le Giraffe s'est incliné à domicile face à l'AS Douane 1-4. La Douane donc qui se rebiffe après avoir perdu les deux dernières journées. Mbour Petit Coude également qui s'incline à domicile devant Tenguit FC 0-1. Niartel également battu à domicile par le Zak Njambour également 0-1. Le 7e match de la Ligue 1 se jouera demain dimanche à Thiès, au Stade de Dior, et va opposer Senebs Excellence à l'Union Sportive de Gorée. La deuxième journée du groupe du CHAN s'est jouée samedi avec un match nul d'abord entre la Zambie et la Guinée, un partout, et en ce moment à la 86e minute, la Tanzanie mène face au Namibie par le score de 1-0. Rappelons que hier le Maroc, le Rwanda se sont neutralisés 0-0. L'Ouganda s'est incliné face au Togo 1-2. Demain il se jouera donc la dernière journée avec Burkina face au Cameroun. Demain se joueront donc les matchs de la troisième journée. Donc la deuxième journée prend fin aujourd'hui avec Namibie-Tanzanie en ce moment 1-0 pour la Tanzanie. Demain donc ce sera le début de la troisième journée. Dans le groupe A, le Burkina Faso jouera contre le Cameroun et ce sera à 19h. Au même moment, le Zimbabwe va en découdre avec le Mali le lundi également. Ce sera à la même heure, le Congo, Libye et Niger, RDC. Les championnats européens maintenant avec la Ligue 1 française en ce moment.
Monaco est mené sur son terrain par Marseille. Marseille donc qui mène par le score de 1 but à 0. La rencontre est à sa 44e minute. Le but Marseille a été marqué par Rodrigues. Eh bien, rappelons que hier, le Paris Saint-Germain avait atomisé l'équipe de Montpellier 4 à 0. Et aujourd'hui, Lens s'est incliné à domicile face à Nice 0 contre 1. Et toujours donc en Europe, les championnats avec la Liga. Donc en ce moment, le Real mène face à Deportivo Alaves 2 à 0. Ils sont à la 47e plus 2. Ils sont donc à la 45e minute plus 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc 2 à 0. Le deuxième but a été marqué par Karim Benzema après un premier but de Casemiro. Rappelons que c'est pour le compte de la 20e journée de la Liga. Demain à 15h15, Elche jouera face au FC Barcelone. Voilà, Djabi, l'essentiel de cette page de sport de samedi. Merci Mamadou pour cette page sportive. La dernière note de ce journal, la revue de vos quotidiens. Les journaux sénégalais parvenus ce samedi à Pâques traitent principalement des politiques migratoires, mais aussi des raisons du passage à l'acte de Diaby Sow et de l'espoir suscité par le futur parc des technologies numériques. Le quotidien annonce que l'Union européenne fait ses comptes sur ses financements dans la lutte contre la migration irrégulière au Sénégal. En effet, elle précise dans ce journal que ses fonds fiduciaires d'urgence a permis de financer depuis 2016 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux, pour au moins de 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards. Mais où passent les milliards investis, s'interroge Vox Populi, car dans un rapport de la Fondation Enrich Boll Sénégal, intitulé « Une avalanche de financement pour des résultats mitigés » exploités par ce quotidien, il est mentionné que plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2005 et 2019. De son côté, Sud Quotidien cite la délégation de l'Union européenne à Dakar à propos du suivi des financements. Tous les projets de lieu font l'objet de procédures de vérification des actes et des dépenses au cours de la mise en œuvre, ainsi que des audits et des évaluations en fin de projet. Poursuivant dans Libération, la délégation de l'UE à Dakar informe que l'institution européenne s'emploie à renforcer la qualité des indicateurs de résultats, ainsi qu'à rendre le système de suivi plus simple et plus accessible. En tout cas, Indic enquête, la société civile prépare un front de résistance pour obtenir la libération de Boubacar Seyi, le président d'Horizon Sans Frontières, placé sous mandat de dépôt après avoir émis des réserves sur la bonne utilisation des fonds alloués par l'Union européenne. Dans les colonnes de ce journal, la société civile affirme que la mort en mer de plus de 580 Sénégalais suffit amplement pour interpeller le gouvernement sur l'efficacité des fonds qu'il reçoit. Pour parvenir à ses fins, la société civile peaufine un plan sale en Angoulême. En août, lors d'une conférence de presse ouverte par ce quotidien, la société civile a proposé à tous ses acteurs et les partis politiques sensibles au dossier de s'en rencontrer la semaine prochaine pour coordonner les moyens de lutte. Concernant l'affaire Diaby Sow, Céline Mbombay, psychologue, dresse dans l'Observateur le profil de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Il y a eu une obésité de la charge sur cette jeune fille et elle a fini par s'en laisser à la sortie de l'anonymat pour la projeter devant 16 millions d'habitants. Ses fidèles épaules ne peuvent pas supporter cela. L'étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris, portée disparue depuis janvier, a finalement donné de ses nouvelles dans une lettre adressée à son parrain Seyim Baïcham, ministre de l'eau et de l'assainissement. Sur un tout autre sujet, le soleil fait part de la livraison du parc des technologie numérique de Diam Niadio prévue à la fin de cette année. Dans le quotidien national, Bassirou Abdaba, le coordinateur du dit projet, soutient qu'à terme, le Sénégal sera une destination de choix en Afrique subsaharienne pour l'investissement dans les TIC, technologies de l'information et de la communication. Bonne lecture. Mesdames, Messieurs, à 20h passé de 50 minutes, ce journal est à présent terminé. Mais avant de vous quitter, vous qui venez de nous rejoindre, je fais lecture de ce qui a fait l'essentiel
de l'actualité de ce samedi 23 janvier. Mais avant tout, nous nous excusons auprès des internautes puisque la diffusion sur Facebook Live donc était coupée du problème de connexion. L'actualité de ce samedi 23 janvier 2020 est dominée par ce bulletin du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de COVID-19 au Sénégal. Et en ce samedi 23 janvier 2021, sur 2389 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 250 nouveaux cas de coronavirus, soit un taux de positivité de 10,46%. Les cas possibles sont répartis comme suit: 86 cas contact, aucun cas importé et 167 cas tenus issus de la transmission communautaire. L'Union européenne a fait le point sur ses financements destinés à la lutte contre la migration irrégulière. L'Union européenne précise dans un document parcouru par le quotidien avoir financé au Sénégal depuis 2016 grâce au fonds fiduciaire d'urgence 18 programmes dont 10 nationaux et 8 régionaux pour un montant de 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards de francs CFA. Hors nos frontières, l'ancien président américain est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier, au moment où les élus du Congrès certifiaient la victoire de son rival démocrate à la présidentielle Joe Biden. Le procès en destitution de Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat après la transmission de la Chambre haute de l'acte de mise en accusation de l'ancien président en début de semaine prochaine, ont annoncé les leaders démocrates au Congrès. Le sport, Mamoudou Yadjam vous a parlé du championnat d'Afrique des Nations avec deux rencontres qui étaient donc à l'affiche. Il s'agit donc d'un certain, d'une certaine Zambie-Guinée qui s'est soldée par un match nul, un but partout. Actuellement, donc, la Namibie est fait face à la Tanzanie, mais également aussi, il a visité pour vous les stades européens, mais également aussi les stades sénégalais. La revue de presse, les journaux de notre pays, s'est parvenu donc aussi d'APA, traite principalement des politiques migratoires, mais aussi des raisons du passage à l'acte de Djali Sow et de l'espace suscité par le futur parc des technologies numériques. Merci à Mika Sall qui m'accompagnait techniquement, donc qui assurait le combat technique, vous comprenez, mais également aussi à Mamoudou Yadjam qui vous a présenté la page sportive. À la présentation, Mohamed Laboudjabi, gardez la prochaine écoute. On se retrouve à 23h pour les infos dernières, mais également aussi à 26h15, on aura un spécial Youssou Ndour. Merci beaucoup.